les poppers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pop avec moi toujours qui doit deviner en 10 questions maintenant. Je vous le rappelle, c'est 10 questions, tu dois deviner 3 pop que Sarah n'a choisi. Petite nouveauté encore une fois, c'est Saba qui nous a proposé ça dans les commentaires. Si jamais je trouve une pop en moins de 5 questions comme j'avais fait la dernière fois, la Harley Quinn que j'ai deviné en une question je crois, c'était ça. Et bah du coup j'ai le droit à une question bonus si je trouve pas les autres pop comme la dernière fois. La dernière je n'avais pas du tout trouvé la Magneto de Serge. Là bah j'aurai le droit à une question bonus si jamais je suis forte pour les autres. Dites-moi encore ce que vous en pensez, je suis très attentive à vos retours. Merci encore à vous d'ailleurs pour tous ces retours et je suis contente que le nouveau décor vous plaise. Je suis contente aussi que le nouveau concept de 10 questions plaît majoritairement aux gens. Pas à tout le monde je sais mais bon, la majorité aime bien. On continue comme ça. On commence avec la première pop. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors là je vous avoue que ça me fait tout bizarre dans les mains parce que c'est... ça a une forme très bizarre. C'est quoi ça? Des oreilles? Est-ce que c'est des oreilles? Ah, du coup j'ai niqué une question. Est-ce que c'est un animal? Oui. Est-ce que c'est des moustaches? Oui. Ah, est-ce que ça vient d'un dessin animé? Oui. Est-ce que c'est un chat? Oui. Oh, un chat! Ah oui, ça c'est sa queue je pense. Ce n'est pas une question. Très bien madame. Il a un truc dans la main je crois. Ce n'est toujours pas une question. J'ai le nez qui gratte. La cocaïne qui passait pas. Du coup, tu l'as pas trouvé en moins de 5 questions, tu n'auras donc, quoi qu'il arrive, pas de questions bonus. C'est vrai. C'est dans un dessin animé récent? Oui. Putain, mais c'est un chat qui a les cheveux. Genre. Oh, ça m'énerve! Un dessin animé avec tu un as 6 chat. Questions. C'est une série? Oui. Putain, mais j'ai que Itchy et Scratchy dans la tête. C'est pas ça. Est-ce que c'est une arme dans la main? Non. Merde. T'as la difficulté, quoi! Un chat dans un dessin animé. Il te reste 2 questions. Est-ce que c'est un mâle? Oui. Ah, mais il me reste qu'une question, là. Là, c'est ta dernière question. Merde! Est-ce que c'est Itchy? Non. T'as le dernier sursaut de vie qui te permet de dire un personnage au hasard. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi. Le chat chapeauté. Non. Ah, attends, c'est qui ça déjà? Elle bug. Merde, je bug. C'est quoi? Ah merde, c'est dans quoi ça? Je sais plus. Ah putain, dans Rick and Morty. Mais oui. Ah oui, Squanchy, ça ressemble à Scratchy en plus. Mais oui. Ah mais oui, mais c'était pas possible que je me rappelle. En plus je pensais trop à Rick and Morty et je me disais, il n'y a pas de chat dans Rick and Morty. En fait il m'a trop eu quoi. Oui c'est une bière, c'est un chat un peu alcoolique en fait. Un peu. Voilà, et avec ses moustaches toutes tordues. Mais effectivement il ne me venait pas à l'esprit. Et avec sa petite queue, d'ailleurs c'est un peu un lionceau aussi, on sait pas trop. Très 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 belle pop, elle est cool, elle est vraiment cool. C'est juste dommage que je l'ai pas retrouvée mais... Ah là là. C'était pas facile. Bon ok. Je vais essayer d'en faire une un peu plus simple pour toi. Ouais j'aimerais bien. Et là il me troll à mort et il me donne un truc non, super bien. Non je vais essayer d'être simple. Deuxième pop. Deuxième pop. Ah une Bubblehead. Donc soit une Marvel soit une Star Wars. Retenez bien la leçon. Ah ça a des cheveux. Ça a les cheveux longs. Moi je le dis tout de suite. Ah c'est chiant les Bubblehead. Mais c'est un tout petit corps. Ah mais attends. C'est une espèce de cap. Est-ce qu'il a une cape? Non. Ok. Ah, c'est une fille. Oui. Avec gros boobs. C'est pas une question. En fait, au toucher, quand on touche une pop qui a des tétés, et ben ça paraît énorme, tu vois. Mais en fait, non. Mais j'ai l'impression que c'est une vieille pop. C'est une vieille pop toute pourrie. Non, mais parce que j'ai l'impression qu'elle est dans la position comme les anciennes, là. Oh, il a changé son chat. Il n'est pas content d'elle. Qu'est-ce que tu fais là aussi, Véco? Est-ce que c'est une pop Marvel? Oui. J'en étais sûre. Est-ce que c'est une pop X-Men? Oui. Ah. Ah, je me fais plus avoir. Est-ce que c'est une pop d'une méchante? Oui. Tu n'auras pas la question bonus, tu es à 5 questions. Ah. Est-ce que c'est Mystique? Oui. Ah, trop cool. Ouais. J'adore Mystique. Tu avais manié toi la dernière fois, tu voulais Mystique. Voilà. Oui. Elle est trop cool avec sa tête de mort. Moi, j'avais montré. C'est celle du comics, elle est trop belle. Et c'est pas une cape, hein, tu as bien vu du coup. En fait, c'est sa jupe, enfin sa robe, son truc qui dépasse. Mais ouais, elle est trop cool. Et j'avais raison, c'est bien l'ancienne position des pop. Elle est trop belle en vrai. Ouais. Les couleurs sont trop trop belles. Mystique a des gros boobs. Bravo Sandar, tu as trouvé une pop au moins. À partout. J'ai pas de questions bonus du coup. Tu vas trouver. Troisième pop. Et du coup, ça sert à rien que tu la devines à moins de 5 questions à la fin. Ça ne à part si. Non, ça ne se reporte pas sur la fois d'après. Une vidéo. Ok, ah, c'est un truc dans la main encore. Ça n'a pas de boob. Ça, c'est un garçon. Est-ce que c'est le même thème que la première pop? Non. Je suis bien parti sur un petit Morty là. Et non, désolé. Et du coup, c'est pas facile. Ça peut être un peu n'importe qui. Est-ce que c'est une
pop d'une série. Oui. Est-ce que c'est une pop dont on a déjà des pop de cette série? Oui. Donc il a une veste, je le sens, c'est un imper un peu, un truc dans la main. Est-ce que c'est un docteur? Oui. Est-ce que c'est le docteur 10? Oui. Donc c'est David Tennant. Trouve encore peut-être. T'as un peu de questions, donc continue de chercher. Tu connais les pop. Ah, je suis contente déjà. Je suis contente d'avance. On va dire que t'as deviné, mais je te fais un peu languir. Oui, oui. J'aime bien. Il a son tournevis sonic. Bien. Elle a une particularité sinon ou... Oui, tout à fait. Ah bon, qu'est-ce qu'il peut avoir David Tennant en particulier? Tu en as parlé un petit peu au début de ta devinette. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Tu dis qu'on avait des pop de la même série. Qu'est-ce qu'elle a en particulier, cette pop? En touchant, tu as dit quelque chose. C'était sur quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Dites-moi dans les commentaires. T'as dit un truc, ça m'a un peu tilté parce que c'était pas ça, mais t'étais partie sur une voix. Je m'en rappelle plus ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce que t'as dit? Ah, flashback. Une veste, je le sens, un imper un peu. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais si t'as dit un truc en le touchant au début. Ah merde, qu'est-ce que j'ai dit? Mais t'as dit un truc! Il a un imper. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Et là, je te réponds, non, il n'a pas un imper. Ah, c'est à la K-pop, je pense. Vas-y. Mais je pense pas que ce soit elle. Vas-y. Mais je pense à la pop de qui se régénère, le Docteur 9 qui se régénère en Docteur. Et 10. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Oui. Oh, trop cool. Oui. Tiens, la boîte. Oui, c'est celle que je cherchais, que je voulais t'offrir et que j'ai pas trouvé. Oui, c'est une Glow in the Dark. C'est le Docteur 9 qui se régénère en David Tennant. Et du coup, il a le bas du Docteur 9, donc de Christopher Eccleston, et le haut de David Tennant. Et c'est trop bien. Elle est trop belle, cette pop. Et ce n'était pas un imper, c'était un cuir. Oui, du coup, c'est un cuir. Ah, c'est trop cool. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais non, la pop, de l'avoir deviné. Il est bête, hein. Oui. Alors, quelle est ta préférée? Sans hésiter, la docteur. Ah. La docteur, elle est vraiment trop chouette. C'est surtout que voilà, je rêvais de la voir et du coup, bah, trop bien. Elle est trop cool. Et glow in the dark. Elle brille dans le noir. Bon, bah, c'est à votre tour de me dire dans les commentaires quel pop vous avez préféré. Je pense pas que tout le monde va choisir comme moi, vu que tout le monde ne regarde pas Doctor Who. Mais vous, vous avez compris, on aime beaucoup Doctor Who, donc forcément, on achète des pop Doctor Who. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je tiens à m'imposer dans cette vidéo, dire tu n'as pas fait un sans faute. Depuis qu'on te limite tes questions, et bah, tu es moins doué. Ouais, mais ça va parce que j'en devine 2 sur 3. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les poppers. Les poppers.